Merci de vous joindre à nous. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à la une de ce journal. Des chants hostiles à la présence rwandaise sur le sol congolais ont été entonnés aujourd'hui à Goma. Des mouvements de manifestation partis de plusieurs coins de la ville ont été organisés par la police, a fini par disperser des foules qui forçaient la barrière pour entrer au Rwanda. Et puis les étudiants ont réagi contre l'agression rwandaise. Pour certains, il faut déclarer la guerre à l'agresseur, d'autres avec de la famille sur place demandent à l'armée de défendre notre territoire. Et Adolphe Mouzito, lui, sort une cartouche. L'ancien Premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière avec le Rwanda, aligner 50 000 hommes autour d'un milliard de dollars supplémentaires pour nos soldats. Vous allez l'entendre dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue aux 23h que nous débutons avec un léger retard, mais avec le même plaisir. La Cour constitutionnelle affiche complet. Trois nouveaux juges ont prêté serment aujourd'hui dans l'hémicycle du Palais du Peuple. C'était devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chambres du Parlement réunies ce mercredi dans une salle de congrès valablement représentative. Sous les ovations de la salle, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême de la nation, vient recevoir le serment des trois juges constitutionnels nommés récemment par ordonnance présidentielle. Tout commence par la lecture de l'ordonnance de nomination par le conseiller politique du chef de l'État assumant l'intérim du conseiller principal en charge des questions juridiques, maître Daniel Moussangou. Ces hauts magistrats ont, selon leur préséance, prêté le serment constitutionnel d'avant l'entrée en fonction. Il s'agit du sénateur Emanda Adie, désigné par le Congrès le samedi 28 mai dernier pour remplacer le défunt Polycarpe Mongoulou, décédé en avril de l'année en cours. Les deux autres nouveaux hauts magistrats sont ceux respectivement désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature en remplacement de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibwe, et du juge Prince Funga Molima. Leur mandat ayant pris fin à l'issue d'un tirage au sort au mois de mai dernier. Le magistrat suprême a pris acte de cette prestation de serment devant le Congrès, le gouvernement, les corps constitués, le corps diplomatique et les forces vives de la nation. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec la prestation de serment des trois juges, la Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec ses 9 membres qui vont désormais siéger valablement. Leur première tâche consiste, selon l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à élire leur président pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, celui-là même qui est de facto président du Conseil supérieur de la magistrature. On
Reportage de Blandine Zonvo et Roger Dieyi. Goma, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, s'est réveillé ce matin sous une tension. Jeunes et vieux, hommes et femmes, toutes les couches de la population ont manifesté à la frontière avec le Rwanda en soutien à l'armée loyaliste du Congo. Et c'était aussi pour dire non à l'agression rwandaise. La police anti-émeute était même obligée de disperser la population. Une marche de soutien au FARDC et de refus de l'agression rwandaise a permis le mercredi 15 juin 2022 aux habitants de Goma de passer un message. Ils ont sillonné différentes artères de la ville à partir de plusieurs coins, utilisant des motos et autres moyens. Certains avec des calicots portant des messages encourageant les FARDC, d'autres exigeant le retrait des troupes rwandaises, et les couches sociales qui ont été dans les rues ont exprimé leur ras-le-bol de voir le pays agressé. C'est que le problème n'y a tout l'état, pas trop c'est trop. Si y'a pas congolais, tout n'a choc. C'est que Inchi Kidobo Sagi si Rwanda a été tourné en Mbaka Mouinifo. C'est que tu n'as qu'à te rendre compte que à tout tuer comme un oui, Funjo dit qu'on a quoi toi la nîme. Mungu a l'itupati à Inchi Kabambi na Mali. C'est que on a pati à Inchi Abo Mangomba Ngomba Mili Mapule. C'est que tu as Mali na Inchi. C'est que n'y a tout l'état, pas quoi ça ici, et Sagi si va tu rouges, tu as c'est Léo. A tout à Churuz à Vieti, Koukou y'a tout patier ma bundouk. Kamani Kundi à Rwanda, tout à Dans la volonté de marteler sur la désapprobation de la guerre actuelle, certains ont tenté de franchir la frontière congolo-rwandaise, mais la police s'est interposée pour maintenir l'ordre. Des chants hostiles à la présence de l'armée rwandaise ont été scandés. À chaque rencontre des militaires sur le passage, un bain d'encouragement s'improvisait. Devant le quartier général de la 34e région militaire, ils ont acclamé le travail des FARDC. Pour cette marche, des sticks d'arbres ont été également utilisés pour passer le message, ainsi que des cartons et autres matériels. Tous ou presque ont mis des rubans rouges sur la tête à cette circonstance. Et c'est mardi à Matadi, la mobilisation était générale pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front à l'est du pays. La population de cette ville était elle aussi dans la rue, nous dit Alain Bikay. L'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération des Matadi et la population de cette ville étaient dans les rues pour protester contre l'agression de la RDC par les Rwandais. Sous la conduite du président fédéral Dominique Odiambété, ces inconditionnels de l'IDPS ont apporté leur soutien indéfectible au FARDC et à son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour sa diplomatie de terrain. Plus que jamais déterminés, les Matadiennes et Matadiens ont manifesté leur souhait d'intégrer les forces de défense nationale pour défendre l'intégrité de notre territoire et assurer sa grandeur. La fédération de l'IDPS Matadi est prête à mettre à la disposition du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, ses combattants pour rejoindre les fonds militaires à l'est du pays afin de participer activement au délogement des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Très touché par cet élan patriotique et le soutien de la population de sa province aux institutions de la République, le gouverneur intérimaire Justin Luemba a appelé l'assistance à former un bloc patriotique autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour mettre fin aux tueries de l'Est. Et l'Alliance pour la réforme de la République monte au créneau et appelle le gouvernement à plus de fermeté face à cette nouvelle agression rwandaise. Son autorité morale, Henriette Wamo, apporte son appui au FARDC. La République démocratique du Congo est encore une fois de plus agressée par le Rwanda à travers le M23. Aussi, l'ADER apporte-t-elle un soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent courageusement pour défendre et protéger notre pays, empêchant ainsi toute velléité de sa balkanisation. À cet effet, l'ADER invite le gouvernement de la République
à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées afin de mettre définitivement les ennemis du peuple congolais hors d'état de nuire. Vis-à-vis du Rwanda, le gouvernement de la République est également appelé à prendre toutes les mesures énergiques devant mettre fin à l'hostilité guerrière de ce pays voisin à l'endroit de la République démocratique du Congo. Au président de la République, chef de l'État, l'ADER, tout en reconnaissant le mérite de ses efforts diplomatiques, lui rappelle qu'entre les États, la règle fondamentale est la réciprocité. Donc, en face de l'arrogance belligérante du Rwanda, une réponse appropriée doit lui être réservée. Donner la bonne information, une information qui ne compromet pas la sûreté de l'État, eh bien le ministre de la Communication et Médias a appelé la presse nationale à se mobiliser derrière l'armée. Patrick Mouyaya a encouragé le média à ne pas faire les jeux de l'ennemi. Désormais, la presse de notre pays va défendre son pays. Aujourd'hui, nous savons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont capables et vont venir à bout de cette insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Nous avons un devoir sacré de donner la bonne information à notre population, mais une information, encore une fois, responsable, qui ne compromette pas la sûreté de l'État. Ce sont les assurances de toute une corporation pour démystifier le Rwanda voisin impliqué il y a 3 décennies dans l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est notre rôle en tant que médias d'accompagner le gouvernement. Nous devons communiquer suffisamment. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous ne faisons pas la guerre avec le Rwanda. Nous nous défendons. Nous défendons notre territoire. Ils ont réussi à saisir l'opinion en mentant. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, si patron de médias appelé au respect de l'éthique et d'anthologie, s'y disent prêts à s'aligner derrière le gouvernement congolais en cette période de mobilisation générale autour de l'armée nationale et des institutions du pays, si en bannissant tout discours de haine. Il n'y a pas plus qu'ailleurs que chez nous, où nous parlons de tous les faits qui se passent à l'Est. Il n'est pas acceptable que si vous êtes congolais, que vous jouez des rôles de relais des informations ou plutôt des éléments de déstabilisation. Nous devons soutenir avec des informations qui sont mises à notre disposition et non faire la politique communicationnelle de l'ennemi. Parce qu'en fait, nous voulons adhérer à l'idée de nous battre. Parce que nous voulons constituer le flot médiatique. Il faudrait maintenant qu'il y ait beaucoup plus d'action au niveau international pour sensibiliser. Bunagana, un coin très convoité par le voisin, le projet de construction d'une route Burundi-Goma asphyxierait l'économie de Kigali, d'où le prétexte de FDLR pour justifier une fois de plus son forfait. Mais contrairement à l'ancienne époque, l'on constate une mobilisation tant par les artistes congolais que la population kinoise, qui, lors du passage de militaires congolais en renfort à ceux au front, ont soutenu ces derniers par les acclamations et de billets de leur labeur, signe de détermination à en finir avec les agresseurs et terroristes qui endeuillent les familles de l'Est. Cet engagement professionnel et patriotique de journaliste n'entend nullement aliéner la liberté de la presse et la liberté d'expression garantie par les lois de la République. On va prendre cette sortie médiatique d'Adolphe Mouzitou. L'ancien Premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière RDC-Rwanda. L'élu des Kikwit propose aussi un budget supplémentaire d'$1 milliard pour les forces de défense. Ces propos sont exploités par Françoise Bouélaboaki. Invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda derrière le M23. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou brise le silence. Dans une interview accordée à la radio onusienne, il lève un coin du voile. C'est une question de terre. Cette insécurité à l'Est, c'est principalement les terres. Le Rwanda, en instrumentalisant ce qu'on appelle rébellion M23, en réalité veut
dépeupler nos terres de l'Est et pour les repeupler avec les populations extérieures qui ont des problèmes réels des terres. Au Rwanda, ils sont 500 au kilomètre carré. Dans 20 ans, ils seront 1000 habitants au kilomètre carré. Comme solution, l'élu national de Kikwit fait des propositions chiffrées. Et nous pensons qu'avec $1 milliard, grâce aux performances actuelles de l'État en ce qui concerne les ressources fiscales, on peut consacrer $1 milliard pour notre défense. Équipement, soldes militaires et puis armes ainsi que les munitions. Mais aussi être en mesure de financer la sécurité dans les provinces de l'Est. Donc avec $1 milliard, on peut s'en sortir et donner une prime aux militaires au front. Placer des hommes, oui, il va plus loin pour proposer la construction d'un mur à la frontière. La vraie partie qui est, si vous voulez, fragile et qui est poreuse, c'est la partie des 60 km. Et nous pouvons faire un mur de 60 km. L'Ouganda, on verra à moyen terme. Et dans l'entretemps, il faut une armée. Et nous pensons qu'avec 50 000 hommes de troupes, on peut contenir les aventures du Rwanda. Nous devons nous protéger. Mais ça signifie que les Rwandais peuvent venir, si en venant par la voie officielle, parce qu'il y aura toujours un espace ou des portes d'entrée au Congo, entrée-sortie. On n'arrête pas avec le commerce, mais nous nous sécurisons par rapport à toutes les agressions, parce que la recherche de la terre va continuer. Ils vont être 1000 km d'ici 20 ans. Donc ils font ces murs pour sécuriser notre pays. Le débat reste fertile. Il est nourri par des pensées de tous bords. Et par téléphone, un étudiant de l'Université protestante du Congo qui suit quotidiennement l'évolution de la situation à Goma où vit sa famille appelle au retour de paix. Comme lui, beaucoup de ses condisciples expriment un soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. On écoute leurs réactions. Nous sommes vraiment très contre ce qui se passe à l'est du pays. Il y a nos frères. Personnellement, j'ai de la famille là-bas. J'ai un grand-père qui habite là-bas. Et c'est quand même stressant à chaque fois. Quand tu attends, il y a une attaque, de l'appeler, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien. Alors nous sommes vraiment derrière nos forces armées, nous prions Dieu que ça se passera bien. Notre souhait qui est vers la fin de cette année, si Dieu peut nous faire grâce, que cela se termine. Et en tant qu'étudiant, ce que moi je peux dire personnellement, ce n'est pas à la population vraiment de prendre des décisions, c'est à l'État, dans son pouvoir et par sa diplomatie et l'intelligence de nos dirigeants qui peuvent ramener de l'ordre de notre côté. Nous sommes totalement contre les problèmes que nous avons au niveau de l'Est. Il y a des pays qui nous attaquent, mais aussi il y a des groupes rebelles qui nous font du mal. Alors de notre côté, nous soutenons vraiment les FARDC. En tout cas, si on veut la paix, on doit préparer la guerre. En tout cas, moi, quant à moi, j'aimerais qu'on déclare la guerre. Ça serait une façon de nous faire respecter. Je condamne la guerre qui s'oppose entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes à 100% congolais et nous soutenons à 100% nos forces armées de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, pendant les vacances parlementaires, le gouvernement a obtenu de l'Assemblée nationale l'autorisation de proroger l'état de siège. La loi d'habilitation a été votée hier. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a exhorté les élus à taire les divergences. On en parle avec Sylvie Moembo. Par la loi d'habilitation, l'ordonnance loi peut continuer à proroger l'état de siège conformément à l'article 129 de la Constitution. C'est tout le sens qu'il faut donner à la plénière du mardi 14 juin 2022 conduite par le speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodiapwanga. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kessé, qui présentait l'économie générale de ce projet de loi portant habilitation du gouvernement, a énuméré entre autres l'urgence nécessitant cette loi portant habilitation. Il s'agit de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dont les populations sont victimes d'actes terrorisme par les ADF, la résurgence des terroristes du M23 et l'agression du Rwanda. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'interpeller les élus du peuple sur la nécessité d'être unis comme un seul corps en ce moment. En ce moment crucial, où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire. Je prie les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regards, notre attention,
doit être tourné vers nos soldats qui sont au front. Après débat et moyennant quelques amendements, sur les 397 votants, 375 ont voté pour, 16 ont dit non et 3 se sont abstenus. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Les triomphes de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, c'est le souci qui anime le gouvernement dans les réformes amorcées à la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement de l'opération des agents de l'État dans la ville de Kananga. Dine Kilosho, Mokemaluma. Évaluation du fonctionnement de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a conféré avec les chefs de division et chefs des bureaux à Kananga au bâtiment administratif de la fonction publique. À l'occasion, le patron de l'administration publique congolaise a procédé au lancement de l'opération d'immatriculation par la CENSA. Les premiers immatriculés ont obtenu leur carte d'adhésion en présence du gouverneur intérimaire de la province du Kasaï central. Durant 3 mois, les agents opérateurs de la CENSAP vont effectuer cette opération dans cette partie du pays pour permettre aux agents et fonctionnaires de l'État de bénéficier des services de la CENSAP qui offre les garanties d'une retraite digne aux agents publics de l'État. Dans sa communication, le VPM de la fonction publique a démontré les avancées déjà réalisées pour le redressement et la modernisation de l'administration publique selon les directives du chef de l'État sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous ferons tout ce qui est de notre possible pour essayer de placer les fonctionnaires congolais dans des conditions psychologiques optimales. La plus grande bataille qui nous reste à mener, c'est la bataille pour l'intérêt général. Dans leur intervention, les chefs des divisions et des bureaux ont remercié le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour les avancées réalisées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État depuis son avènement à la tête de la fonction publique. C'est la toute première fois dans notre province que le vice-premier ministre nous réunit. Maîtrise des effectifs et de la masse salariale, redressement et modernisation de l'administration publique, les jalons ont été jetés pour une fonction publique à la hauteur de la grandeur de la RDC. Après Kananga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, va poursuivre sa tournée dans d'autres provinces pour veiller à l'application sans faille des décisions prises pour redorer l'image de l'administration publique. Des annulations et des suspensions des contrats de concession forestière sont imminentes. Une mission de vérification des conformités est en cours. Les contrôleurs ont 3 mois pour faire ce travail. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, a réuni la commission, nous dit Chimène Dondo. Création et organisation de la commission ministérielle chargée de la revisitation des contrats des concessions forestières d'exploitation et de conservation. Ces lancements, le ministre de l'Environnement et Développement Durable entend inventorier tous les contrats de concessions forestières par la République démocratique du Congo. En outre, il va falloir faire le constat de conformité de ces derniers et proposer des suspensions s'il le faut. Annuler ou appliquer les amendes transactionnelles. Les travaux de revisitation de tous les contrats, il s'agit de tous les contrats de concession forestière, quel que soit leur type, c'est une utilité, c'était une importance du point de vue de la République, du point de vue interne, mais aussi du point de vue de la RDC en général, qui avait besoin de reprendre le contrôle de toutes les forêts. La durée de travaux est mieux indiquée dans l'arrêté créant la commission de revisitation. Nous avons 3 mois pour faire le travail. Et pendant ces 3 mois, nous n'allons pas travailler de façon isolée. Nous allons aussi nous référer au rapport des autres processus en rapport avec l'assainissement du secteur forestier dans notre pays, en commençant par les travaux de la conversion, l'inspection de l'IGF, la revue légale des titres forestiers qui est actuellement en cours sur le financement de l'Union européenne. Nous allons capitaliser tout ça. La commission comprend les experts de plusieurs institutions de la République et est composée de la coordination, une cellule juridique et sécurité, une cellule financière ainsi que le secrétariat technique. L'INAFOOT, la radio-télévision nationale congolaise, est prête à retransmettre en direct le championnat national de football. C'est la conclusion d'une séance de travail organisée ce mercredi par le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga. Les détails avec Mili Kondé.
Plus de zones d'ombre dans les relations entre la RTNC et la Linafoot. Les deux parties acceptent de regarder dans la même direction pour le rayonnement du championnat national de football après avoir passé en revue ce qui les opposait. Depuis que nous sommes à la tête de la RTNC, nous avons pris conscience de notre rôle vis-à-vis du peuple congolais et surtout vis-à-vis des sportifs congolais. Nous avons manqué à nos sportifs par rapport évidemment aux compétitions nationales, particulièrement à l'INAFOOT. Et c'est pas normal, dans cette ville, dans ces pays, on a vécu sous le rythme de Vita Imana, n'est-ce pas? Il y a même des artistes qui ont chanté, Mazembe Lupopo, Mazembe V-Club, tout ça. Et ça faisait l'actualité dans toutes nos familles, grâce à la télévision nationale, la RTNC, Télézaïre et consorts. Alors c'est pas normal qu'aujourd'hui, que ces rencontres mythiques se jouent sans la présence de la RTNC. C'est quelque part une faille pour nous. Alors j'ai senti le danger, j'ai senti l'obstacle, je me suis dit il faut corriger cela et parler dialogue. Parce que c'est vrai, il y a eu des problèmes. Il fallait analyser ces problèmes, hein, les situer et pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur ou le bonheur aussi de recevoir tous ceux qui sont concernés par ces problèmes. N'est-ce pas les propriétés de l'événement, c'est-à-dire la LINAFOOT à travers son président, il y a les producteurs, n'est-ce pas, Chris Production, et la RTNC en tant que chaîne nationale qui doit assurer aussi la diffusion. On a harmonisé nos points de vue, hein, les angles ont été arrondis, si bien qu'aujourd'hui, je peux annoncer que la RTNC rentre au stade, n'est-ce pas, pour assurer la diffusion de matchs la LINAFOOT. On va commencer par ces derniers matchs qui restent, et nous nous sommes arrangés pour que tout soit fait désormais de cette manière-là. Et donc, c'est un événement qu'on annonce, et j'ai l'honneur de l'annoncer, la RTNC rentre sur la INAFOOT. Je sais que le peuple congolais va vivre maintenant au rythme de la INAFOOT, parce que la couverture territoriale que la RTNC a n'est comparable à aucun autre champ de télévision. Et donc, je sais que Ntsumbidilwa, là, on va suivre le match de la INAFOOT, à Congolo, on va suivre le match de la INAFOOT, à Bafouassende, hein, je dirais même à Bolomba. Donc c'est comment dire, une joie immense que la RTNC revienne à ses anciens amours. D'ailleurs ce dimanche ici, le club devait jouer Renaissance. Ben, écoutez, nous mettons ce match au 26, qui va se jouer concomitamment avec le match Maniema Union Lupopo, pour donner la chance à tous les spectateurs congolais de suivre ce match sur la RTNC. Si elle est bien équipée, la RTNC contribuera grandement au rayonnement du sport en République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, le directeur de la cellule de communication du président de la République tenait une séance de travail avec le journaliste accrédité à la présidence. Les règles d'éthique et déontologie journalistique étaient au menu de leurs échanges. Un peu plus d'explications avec Fanny Kikoufi et Blandine Zouf. C'est une première rencontre du genre. Les professionnels des médias accrédités aux activités présidentielles face au directeur de la cellule de communication du chef de l'État, Eric Nindou Kitenge, de son adjoint Jean-Pierre Wafwana et la collaboratrice du directeur de cabinet du président de la République, Stéphanie Mbombo, pour une séance de travail. Réunis dans la salle des congrès du Palais de la Nation, durant près d'une heure, le responsable de la cellule de communication, ses collaborateurs ainsi que les professionnels des médias ont échangé autour des règles d'éthique et de déontologie journalistique. Eric Nindou a réitéré sa disponibilité permanente ainsi que celle de toute son équipe pour répondre aux préoccupations de la profession. Il a par la même occasion exhorté les journalistes de prendre leurs responsabilités eu égard aux exigences du métier. De leur côté, les journalistes, tout en prenant bonne note des recommandations du directeur des cellules de communication du chef de l'État, ont reformulé les propositions, notamment en ce qui concerne la mise en place, dans un cadre des concertations et d'échanges entre la cellule de communication et la profession, ce à quoi le directeur Eric Nindou a accueilli de façon favorable.
L'office de gestion du centre multimodal dispose d'un outil de géolocalisation de Carcaison. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre de Transport et Voies de Communication, Chériban Okende, après avoir reçu les détails du fonctionnement des experts commis au service. C'était au siège de l'OGFREM, Emmanuel, commissaire, et Edith Chala. C'est une tour de contrôle de l'office de gestion du fret multimodal au GFREM, un service qui gère une architecture informatique et des télécommunications indispensables au traitement et au suivi des marchandises en partance et à destination de la République démocratique du Congo. Le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chériban Okende, qui s'est fait accompagner de son vice Maître Ekila a coupé le ruban symbolique après les explications de Justin Kamwanya Kalemuna Lems, directeur général de l'Office. Ce centre névralgique de l'OGFREM traite les informations qui viennent des fiches électroniques, des renseignements à l'exportation ferrée et de l'attestation des destinations AD. Un outil important pour le ministre ayant en charge le transport multimodal. Ça mérite encouragement. Ça mérite encouragement dans cette nouvelle orientation de la maîtrise de la vision du président de la République pour cette nouvelle espérance. Et comment donc, encore une fois, assumer la nouvelle espérance si on ne maîtrise pas le rouage de l'OGFREM? Je suis heureux aujourd'hui de lancer les travaux de la tour de contrôle parce que, en suivant même les explications des experts, cela rencontre nos préoccupations de base. Les chargeurs disséminés à travers la République partout sur la planète ont la possibilité d'envoyer les informations sur leur cargaison par la souscription à ces documents de l'OGFREM. Plus de 300 bandits urbains de la ville de Lubumbashi seront transférés dès demain vers le centre pilote de Kanyama KCC. Ça sera au cours d'une cérémonie qui aura lieu sur place à Lubumbashi. Oscar Mbalkaïj et Camille Djoké. La ville de Lubumbashi veut se débarrasser des bandits urbains connus sous le nom des Kuluna, des centaines de jeunes dits vagabonds qui sèment l'insécurité et la désolation parmi les habitants de la capitale du Cuivre ont été mis hors d'état de nuire par la police nationale congolaise. C'est au camp Kasapa où ils sont internés avant leur transfert à Kanyama KCC pour leur encadrement et réinsertion sociale. Identification individuelle, séance de prise de photos et signature de l'acte d'engagement volontaire, le service national veut s'assurer des moindres détails. Tous les mineurs ont été extraits du groupe et seront remis aux autorités compétentes. Les amener, moi, c'est vraiment, je trouve ça vraiment important, vraiment, puisque avec les gens qui traînent balle de partout, ils créent de l'insécurité. Et sur ce, quand on les amène, quand ils seront embauchés, même les parents qui regrettent, je suis sûr et certain, c'est eux qui vont en bénéficier du geste que le chef de l'État a fait. Pour moi, ce que je vais donner comme message aux jeunes, qu'ils se prennent en charge, qu'ils soient responsables. Parce que dans la rue, il n'y a rien. Et quand une occasion s'est ouverte, il faut en profiter. Ces inciviques seront présentés officiellement ce vendredi 16 juin 2022, Journée internationale de l'enfant africain, au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, avant leur transfert vers les centres pilotes de Kanyama KCC dans la province du Haut-Lomami pour les lavages des cerveaux afin d'être utile à la société. De 2010 à 2019, la RDC a perdu plus d'un million de dollars américains à cause des exonérations illégales, chiffre qui fait froid au dos livré par l'inspecteur général de finances au chef de service Jules Alinguété au cours d'une conférence débat organisée à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACI, en sigle nous dit Eric Kabamba. Dans les soucis de mieux vulgariser la lutte contre l'impunité, la corruption et les détournements des deniers publics, tel que dicté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'IGF, dans son approche des champs citoyens, a été ce mardi, 14 juin, devant la communauté estudiantine de l'IFACIC, au cours d'une conférence débat sur la vulgarisation de la lutte contre les détournements des deniers publics, animée conjointement entre l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alinguété, et le professeur Arthur Yenga, secrétaire académique, élargi à d'autres autorités de cet alma mater
Objectif poursuivi est d'amener les étudiants à s'approprier de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Les chefs qui donnent l'impulsion, le chef de l'État a démontré sa détermination. L'impulsion, il a donné l'impulsion et l'inspection générale des finances s'est réveillée. Et vous aussi, la population, vous êtes entrés dans cette danse en faisant la réprobation sociale. Dites à ces gens, quand vous les rencontrez, que nous avions compris que c'est vous. Vous êtes parmi les gens qui nous ont mis dans cette situation. Il faut leur dire ça, il faut qu'ils comprennent. Pendant près de 3 heures d'échange, face aux étudiants de l'IFASIC, Jules Alinguete a clairement dit que la lutte contre les détournements des deniers publics en RDC est une œuvre personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. La patrouille financière exercée par l'IGF fait partie des instructions du chef de l'État. Il est donc inutile aux prédateurs de résister, car c'est lui qui est derrière l'IGF. Ces étudiants se sont dit suffisamment éclairés de l'apport de l'IGF dans l'amélioration des recettes publiques. Cet exercice valait la peine car aujourd'hui la corruption s'apprend très jeune et c'est le pays qui en pâtit plus. On va parler santé avec les cancers de la peau, première cause de mortalité chez les personnes atteintes d'albinisme. Pour les aider à mieux se protéger de cette maladie, une campagne a été lancée au centre hospitalier des anciens combattants. C'est autour du thème Unis pour faire entendre nos voix. Diane Balakaiti Rinzazi. Les personnes atteintes de l'albinisme sont victimes de nombreuses formes de discrimination dans le monde, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. C'est des témoignages émouvants de personnes vivant avec l'albinisme qui ont bénéficié des différentes interventions et prises en charge de l'ONG Corbeta et de la Fondation Tumbalwaba pour la paix. C'est dans ce cadre que nous avions pensé organiser une campagne de lutte contre le cancer de la peau à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC, dont le Kasaï, Mujimayi et Kisangani dans la province de la Diop. Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème de la campagne de lutte contre les cancers de la peau chez les personnes vivant avec l'albinisme, dont le lancement officiel a eu lieu cet avant-midi au centre hospitalier des anciens combattants. Plusieurs activités médicales sont organisées. Il est prévu à partir de demain, ce jeudi 16 juin 2022, la consultation, le traitement, la prise en charge des albinos et une distribution des crèmes solaires. Toutes ces activités sont gratuites et auront lieu au centre des anciens combattants. La personne atteinte d'albinisme n'est pas une personne dangereuse. Ce sont des bonnes personnes dotées de toutes les capacités, des compétences d'ailleurs extraordinaires et que nous devons aujourd'hui enlever tous ces préjugés autour de nos frères et sœurs atteints d'albinisme. Il s'avère impérieux de poursuivre la sensibilisation autour de la question liée aux droits de personnes atteintes de l'albinisme pour éviter la stigmatisation dont elles sont victimes. Les albinos sont de personnes à part entière, elles ne doivent pas être rejetées, eux-mêmes sont appelés à s'accepter et méritent notre respect. Campagne spéciale 30 ans de la Société nationale de la loterie. Pour avoir trouvé la bonne combinaison, le regagnant du PMU a reçu son chèque de plus de 26 millions de francs congolais. C'était Doron Point Willery, de main du responsable de la SONAL, dont l'ADG adjoint Serge Merle Mata. Devant sa famille, qu'il est regagnant de la cagnotte de plus de 26 millions de francs congolais, mise en jeu, a reçu son chèque symbolique des mains du bourgmestre de Lingwala, Augustin Kama, et de l'administrateur délégué général adjoint de la SONAL SA, Jean-Lambert Segbia Nzapa Koli. Ces derniers a félicité les gagnants pour avoir fait confiance à la machine du social et invité chacun à participer au jeu organisé par la Société nationale des loteries qui reste toujours leader des jeux de hasard en République démocratique du Congo. C'est une campagne que nous avons lancée, qu'on a appelée spéciale le 30 juin. Et c'est un des plus gros gagnants qu'on a eu. Nous invitons tout le monde à jouer au jeu de PMU, le jeu que nous organisons à la SONAL. Et il y a la transparence pour tous ceux qui vont gagner, on va les payer. Visiblement émis, les regagnants, Kengentia Lafostin, enseignant de son état et habitué des gains de la SONAL SA,
dont les PMI sont jeux favoris, a confié avec fierté qu'il n'a joué que pour 9000 francs congolais une combinaison gagnante des trois chiffres porte-bonheur qui ont été tirés. Je suis très heureux pour ce prix que je viens de gagner. Je remercie le Seigneur et je remercie également les autorités de la SONAL. Moi, j'invite par l'occasion les parieurs à persévérer, à continuer à parier parce qu'on ne sait jamais. Au cours de cette manifestation, il a été expliqué qu'avec une petite mise, on peut gagner les plus gros lots aux différents types de jeux qu'organise la Société nationale des loteries, SONAL SA. Fin de ce journal. Merci à vous de votre attention soutenue. N'hésitez pas à suivre tout de suite, après ce journal, une importante communication du Conseil supérieur de la défense qui sera faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.